La barre à terre comme levier, ouais. C'est comme une palanquille en fait. Ouais. Ah, c'est vraiment ça. Ouais, impressionnant. C'est plus simple, c'est là, ce qui est rigolo, c'est que si tu soulèves le lock bar ici, là comme ça, tu le déverrouilles. Tu fais la même action qu'en appuyant là, mais à l'envers, tu tires. Donc si tu peux, tu peux t'amuser à faire comme ça. T'es là, tu manipules ton couteau et tu le fermes comme un cran forcé. Personne ne voit que tu as appuyé sur quelque chose, que tu vas tirer là. Par contre, quand il est fermé, si tu t'amuses à appuyer sur la lame en tirant ailleurs que là-dessus, ouais, ça se ferme pas. Ça va, c'est ça qui est rigolo. Tu le déverrouilles comme ça, là tu t'appuies. Tu fais ça, tu peux te dire « Ouais, c'est un cran forcé, monsieur l'allemand. » Ça, je vous présente le 42, qui est un couteau qui a été que j'ai dessiné et conçu avec le coutelier avec lequel je travaille, donc qui est dédié à la Loire, comme le département numéro 42. La maîtrise, ne serait-ce que pour faire broyer une broderie comme celle-ci. Un guillochage entièrement fait main avec à l'intérieur des broderies au fil d'or. Ah oui, parce que c'est des petits bouts qui sont coupés à l'œil, mis côte à côte, il faut une forme parfaite. Donc on n'imagine pas la complexité en fait que ça peut représenter. Thank you.
Thank you.